mon nom est Mondo Zappa. Mon monde se résume à la cybernétique et au mal qui le ronge. Mon travail ? Exécuter ma cible et éradiquer ce mal à tout jamais. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger quelqu'un que vous aimez ? Une histoire d'amour et de meurtre. Killer is dead. Et bonsoir à tous, ou bonjour à tous, peu importe l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, ici c'est Music Box. On se retrouve pour la suite de Killer is Dead. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'épisode, je le sais. Pour ceux qui l'attendaient, peu d'entre vous sont manifestés par rapport à cette série. Mais bon, pour ceux qui l'attendaient, voilà le retour. J'avais vraiment hâte de retourner à ce jeu, mais comme dit, je m'étais centré sur d'autres séries pendant un petit moment. Et puis voilà, donc là maintenant, je souhaite retourner un petit peu un rythme que j'avais à l'époque, c'est-à-dire faire un petit peu de chaque série toutes les semaines, histoire de pouvoir contenter un peu de tout le monde, tout simplement. Avec le peu de temps qui m'est imparti. Donc, sur ce, nous allons entamer tout de suite, sans plus attendre, mes chers petits amis. Et donc, continuer notre partie de la dernière fois. Je sais que nous avons pas mal de choses à faire. À savoir qu'on va pouvoir draguer Kaoru. On va pouvoir aller faire les Belles de Mondo numéro 2, peut-être. Non, Belles de Mondo numéro 2, c'est des petites missions. Une séduisante vampire. Ça, on avait déjà fait. On avait eu Brambé. C'est un set qu'on a déjà fait. Je vais regarder ce qu'on a un petit peu de nouveau. Apparemment, tout ce qu'on a de nouveau se trouve sur cette page. Il n'y a rien de spécial ailleurs, si ce n'est des petites missions qui sont ici. Donc, allons voir ce qui se trouve ici, puis on verra bien ce que ça donne. J'y retournerai peut-être plus tard aussi. On verra en fonction de comment ça se passe, tout simplement. Petite musique sexy pour cette Saint-Valentin. Alors, que je me souvienne juste, Là, je peux même pas attaquer, en fait. Il faudra que je me souvienne exactement comment on fait. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. It's time to donate your blood. Hand it over. Alors. Déficit troisième partie, je crois qu'on l'a réussi, mais il y en a d'autres qu'on a pas, il y en a plein qu'on n'a pas réussi. Défi technique première partie, défi katana troisième partie, défi katana quatrième partie. Il y en a plein que j'ai loupé apparemment. On va tester des katana. Tuer tous les ennemis tireurs dans le temps imparti en n'utilisant que l'épée. Let's see if your gaze can win my heart over. Alors déjà, voilà, pour esquiver, c'est le rond. Oh là là, ce que je prends, mes chers amis. Aïe. Déjà, tu vas prendre ça, voilà. C'est complètement gratuit pour toi, mon cher ami. On va récupérer un peu de sang. On va se heal. Là, je me souviens comment on fait. Heureusement. Même si là, je ne devrais pas utiliser ça parce que je sais que... On n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup trop d'ennemis. J'en ai tué 3 sur 12. Il m'en reste encore un paquet. On va tuer en 25 secondes. Les défis épais sont assez chauds, en fait. Enfin, tous les défis sont assez chauds, mais là... En plus, il n'y a que eux que je peux plus ou moins one-shot. Il
Ah, j'ai pas eu le temps du tout là. On en tuait plus que ça. On a tué la moitié, mais. Why must you cause so much trouble? Waouh, ça va être difficile. On va pas retenter le défi. Comme je vous dis, je pense que ces défis-là, je les ferai dans des vidéos hors série. Je les teste juste pour voir un peu ce que ça donne, mais honnêtement, ils sont vraiment hard, hein, difficiles. Mondo, it's time to donate your blood. Hand it over. Je pense que la quatrième partie est encore plus difficile. Défi technique, je me souviens plus. Tudy Wires avec des ennemis explosifs. En utilisant que le guard break. Vaincre un gros ennemi avec des ennemis explosifs en n'utilisant que le guard break. On va voir si ça fonctionne. On va voir ce que ça donne. Comment on fait le guard break? C'est... Ah voilà, c'est ça. C'est triangle. Je le crois. Aïe Il a rien pris. Peut-être une chance, hein. Il reste 1 minute 10, ça m'a l'air faisable. Aïe, bâtard. Aïe, 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 aïe. Ne me tuez pas, je vous en supplie. J'ai presque terminé. Allez, approche-toi, gros lard. Et le dernier. Ça devrait suffire. It seems I know how to pick 'em. How about a little treat for your hard work? Ah oui, une petite récompense. Jauge augmentée de 200, audace totale 200, défi réussi. Ok. Connexion, on peut se connecter, oui. Non, du coup, on va pas se connecter. On s'en fout des classements. J'ai gagné un peu d'argent, je lui en rends un peu pourri, mais on s'en fout. C'est passé, c'est l'important. Est-ce que du coup, ça s'est noté, ce petit truc? It's time to donate your blood. D'accord, donc en fait, il y en a qu'un que j'ai réussi. Défi cible, troisième partie. Qu'est-ce que c'est de nouveau, ça? Tu es 5 ennemis qui portent une masse d'armes. Si un autre type d'ennemi est tué, le défi est terminé. Bon, on va tester. Mais je me souviens plus, il y a un truc qui fait que je peux tuer d'autres, donc c'est un peu la merde. On va tester. Ah oui, le problème, c'est que j'ai une minute, en fait. Voilà, ça va m'aider, par contre. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir des nouveaux ennemis. Dont des ennemis qui n'ont pas de masse, bien sûr. Aïe, 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 lâche-moi, toi, enculé. Voilà. Ça, c'est bien. Ça fait deux. Non, toi, je veux pas te tuer. Toi, tu vas crever, par contre. J'aurais dû prendre la santé ou autre chose. Allez, venez les deux derniers, là. Par contre, il faut... Ah, on a vraiment pas de temps pour les buter, quoi. C'est abusé.
Why must you cause so much trouble? Il faut aller beaucoup plus vite que ça. Comment, c'est la grande question. Est-ce que je suis obligé d'utiliser l'épée? Parce que si j'utilise peut-être le tir... Ah mais j'ai pas de sang du coup au début, c'est vraiment des bâtards. Faut que je regarde parce que j'ai des nouveaux... Des nouveaux coups aussi. Aïe. Je veux pas te buter. Aïe 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 aïe, lâche-moi, bâtard. C'est la Saint-Valentin, regardez, j'ai fait un jeu avec des petits cœurs partout pour vous. Enfin, quand je tourne, c'est la Saint-Valentin, mais... Oh putain, je vais crever comme une merde. J'ai pris beaucoup trop cher. J'ai pas le temps de buter des ennemis, hein. C'est vraiment abusé. Hein. Lui me touche par derrière après. Enfin, j'ai le temps d'en buter 3 à chaque fois, pas plus. Je vais réessayer, mais bon, ça m'a l'air tendu. Hein. Le mode difficile, c'est beaucoup trop hardcore. Hein. En fait, il faut arriver à faire des guard break juste au bon moment. Et là, on peut prétendre à quelque chose. J'essaie de toutes mes forces de pas me prendre de coups et de les buter. Crève toi, putain, il s'enfuit au fond là-bas. Dégage. Voilà. Pas toi que je veux attaquer là. Et lâchez-moi! En plus ils sont... Why must you cause so much trouble? Comment on fait? Est-ce que je peux espérer arriver avec un headshot ou quelque chose? C'est une grande question. Ah voilà, avec ça déjà c'est beaucoup mieux, hein, c'est sûr. Voilà. Donc j'arrive à faire des just guard quoi. Oh là là. Lâche-moi toi. Le problème c'est que des fois, ça fait pas vraiment des just guard à proprement parler. Lâche-moi, putain. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Incroyable. Là, j'ai voulu garder, mais c'était pas bon. Il me reste 13 secondes pour tuer deux types. Évidemment. Ça va être impossible. Ah bah non, il m'a tué un autre ennemi, quoi. Pas lui que je voulais tuer. Ouais, bon, on va pas réessayer le défi. On va tenter celui que j'ai pas encore fait, du coup. Défi... Quel était le défi que j'ai pas encore fait? Ou un que j'avais pas réussi, mais qui est largement faisable. Tuer un certain nombre d'ennemis, c'était le défi technique première partie. I wanna see that wild style of yours. Hmph!
Aïe, lâchez-moi. En fait, il est largement faisable celui-là. Allez, venez les mecs. Impressive. Il reste 25 secondes. Allez les gars, on est chaud là, on crève. Allez crevez, hop. Les trois derniers là, vous êtes morts là, allez, s'il vous plaît. Non. Pourquoi ils sont pas morts ceux que je voulais tuer quoi. Non, c'est faisable complètement, ce défi. Ça va être un épisode long, je pense, hein. Un bon épisode de 2 heures ou un truc du style. Aïe, 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 aïe. Lâche-moi. Ah. Ah, mais cassez-vous, quoi. Restez là les mecs. Voilà. J'en ai tué que 4 avec ça. Oh putain, il n'aura pas dedans. Si c'est bon. Putain, mais il reste plus de temps. Ah, dur, 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 dur. On va essayer de défoncer le maximum de des petites bestioles pourries. Ah là là, et cassez-vous, c'est bon. Hein. C'est pas toi que je vais taper, bordel. D'accord, le truc il a été en balance à l'autre bout. Mais lâche-moi, OMG! Ah, là encore il a été balancé à l'autre bout, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je maudit à ce point? Le problème c'est que les petits bouboules elles se pètent entre eux en fait. Ça en a activé plusieurs en même temps. D'accord, je suis mort en même temps, moi, maintenant. Why must you cause so much trouble? Oh là là. Je suis sûr qu'il est largement faisable, en plus, ce défi. Ah, ah, ah. Mais laissez pas exploser là-dedans, s'il vous plaît. Voilà, vous allez vous le prendre. D'accord, j'en ai buté qu'un seul. Est-ce que vous êtes sérieux là? Il y en a plein qui... Ah si, j'en ai buté 5 d'un coup là du coup. Oui, c'est ça, tuez-moi. Attendez, le temps vient de s'écouler à la... Oh là là, c'est pas possible. Oh. Bon, allez, on s'est venu 2 fois, mais pas plus, parce qu'après... Allez, venez par là. Voilà, parfait. Alors là, ils ont pris tellement cher, les pauvres.
Ça, c'était beau, ça. Lâchez-moi, par contre, là, les gars. I see. How unfortunate. Vite. Voilà, venez tous par là. Non. Si, c'est bon. Oui, voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Là, j'ai gagné du bon. Puis j'ai gagné grave des thunes aussi. J'ai fait quoi comme score? Parce que là, j'ai vraiment été pas mauvais du tout. Now, Mondo, it's time to donate your blood. Hand it over. Un triple A? Oh là là, c'est la première fois que j'ai ça, quoi. Oh, ce gros GG. Alors par contre, ça, j'ai pas encore fait des filles katana 4ème partie. Fais un ennemi sans subir de dégâts en utilisant que l'épée. Ok, ça marche. Bah, je veux bien. Ça m'a l'air faisable. D'accord, ok, c'est perdu. Bon, lui, il va falloir que je fasse super gaffe. J'ai compris. Réussir le défi, oui. Ah oui, c'est vrai que je peux utiliser que le... Putain, je peux pas courir, quoi. Ah oui, ça c'est bon, ça. Parce qu'il va prendre. Et voilà, là je pense qu'il est mort, du coup. Bye bye, bâtard. It seems I know how to pick 'em. How about a little treat for your hard work? En fait, il suffit de spammer le bouton de... Wouah, 500 et 800. Il suffit de spammer le bouton de... D'esquive et puis ça passe bien. Ah, j'ai dû gagner pas mal d'argent aussi. Prime de Just Guard. Ah, c'est cool, 40 000. Triple A. Eh bah dis donc. On fait du... Mieux que la France, hein. Nous, on a le triple A au moins. C'était la blague économique et politique du jour. Alors, du coup, je suis plutôt chaud à me retenter un truc difficile. Il était assez dur, défi katana, il était assez dur aussi, je crois. C'est quoi ça, tuer tous les ennemis tireurs dans le temps imparti n'utilisant que l'épée? Ah, il faut tuer que les ennemis tireurs, par contre, pas les autres. Ah oui, mais si on doit tuer que les ennemis tireurs, ça va. Si il faut faire du just... Voilà, il faut faire du just... Du just guard et puis ça passe. Pourquoi je prends ça, moi? T'as rien que je prenne ça sur lui. Il y a 12 ennemis tireurs à buter. Ça fait beaucoup, mais il nous reste quand même du temps. Oui, ça c'est bien. Faut bien connaître le problème des faisceaux. Quand on veut les esquiver, faut savoir exactement quand. Parce que j'ai presque tué, mais il me reste plus beaucoup de temps. Ah,
Allez, vite. J'aurai pas le temps. Ça me semble difficile. Surtout avec ce genre de truc. Il ne reste pas assez de temps. J'ai pas eu assez de... comment ça s'appelle ? De Just Guard. C'est pas facile sur eux en même temps. Voilà, et j'en ai eu un. Oh là, je me suis tout pris dans la gueule. C'était magnifique. Ah ouais, mais vas-y. Je sais pas exactement à quel moment il faut... esquiver. Je pense qu'il faudrait que je vois pour les avoir avec le cap. Ah, j'ai juste l'épée par contre, je suis con. Ah, par contre, je suis très mal parti. Je sais pas si le fait de faire des Just Guard me permet juste d'aller chez eux plus vite. Mais pas de les tuer réellement plus vite. Et ça par contre ça me fait chier parce que ça me fait perdre du temps. J'arrive à en faire 10 mais pas 12 quoi. On va retenter. Franchement c'est faisable mais dur quand même. J'ai l'impression qu'il y a des filles katana, on n'a pas assez de temps comparé aux autres. Oh là, ça c'est bon par contre. Là on est plutôt pas mal parti là. Ah putain. Je veux pas avoir des bonus là, please. Ça fait perdre du temps plus qu'autre chose. Ah. Voilà, ça c'est bien. Celui-là, il me le fallait. Allez, ça c'est faisable. Ah non, pas ça, je perds trop de temps. Putain, il me reste 15 secondes, quoi. C'est super chaud, quand même. Mais non, mais il me fait pas perdre du temps à faire ça. Mais non, mais il me fait perdre du temps pour rien. En plus, j'en étais à 12. Il m'en restait un. Ah, ça m'a l'air faisable. Ça m'a l'air faisable. Mais, tant d'axe. Si j'avais pas perdu mes secondes là à me faire stun déjà. Il va falloir essayer souvent, je pense. Hein. En fait, il va falloir que je fasse que esquiver pendant les. Voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse que des Just Guard.
Ah putain, j'ai pas eu le droit à un Just Guard là. Putain, sérieux. Voilà. J'ai perdu énormément de temps là par contre, du coup. Ah, mauvais. Ah, en sérieux. Mais pas ça, je veux pas faire ça, je veux esquiver les... Voilà. Non. Oh là là, c'était tellement faisable. Ma série était presque... Il faut que je trouve, en fait, le moyen de faire du Just Guard sur eux. Voilà, j'ai rien. Hein. Quand ils sont 4, c'est facile. D'accord, ok, je me prends les dégâts. D'accord, ok, ça n'est pas même pas aller jusque chez lui. Magnifique. Je parle d'un Just Guard. Ouais, là, c'est fini. On peut déjà faire réessayer. Mais bon. Quoique. Oh, ça c'est bon ça. Faut que je laisse le truc s'écouler en fait. Non, pourquoi j'appuie sur les boutons, ça me fait pas tellement de temps. Il vaut mieux que je fasse rien en fait. Oui, ça me fait pas perdre de temps en fait quand je fais ça. Je crève tout de suite. Voilà, rien du tout. Voilà, ça c'est bon. Peut-être que j'ai une chance. Hein. Non, il a pas voulu me la compter. Oh putain, s'il me l'avait compté. S'il m'avait fait une Just Guard à ce moment-là. Bon, déjà, j'ai compris comment gagner du temps. Il est faisable au prochain coup. Ça aura fait déjà une bonne demi-heure d'épisode, mais au moins on sera occupé de ces fameuses petites quêtes annexes. Voilà. Un peu plus de... Oh là là, vous êtes sérieux? Je me suis fait embrocher dans les... Dans les trucs, là. Par contre, je suis dans le caca. Yeah.
Il m'attaque plus. Putain, j'ai pas pu faire assez de Just Go. Hein. Non. Putain, tout à l'heure j'étais tellement près de la fin. Allez là, on va le réussir là, il faut juste un peu plus de Just Guard là, j'ai eu vraiment pas de chance. Voilà. Vous êtes sérieux là, please? Et pourquoi lui il était stun déjà? Mais pas lui! Il continue à attaquer lui! Merci. Oh là là, pourquoi il se met à attaquer n'importe qui là? Ça c'est bien par contre. Voilà, ça c'est bien aussi. Il ne vaut plus assez de temps là. Quoique. Ah, ça c'est bien par contre. Ça, ça me met bien comme il faut. Voilà, lâche-moi ça. Ok. Voilà, hein. Ouh, ça c'est bon. Non, ça c'est très mauvais par contre. Oh là 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 là. Non, mais arrête ça. Oh mon dieu, pourquoi? Mais pourquoi? J'étais tellement bien parti. Fuck. Why must you cause so much trouble? Parce que, mais parce que... L'épisode va être très long. Ok, est-ce qu'on peut déjà recommencer en fait? Non? Non, je voulais pas appuyer là-dessus, mais merci quand même. Comment elle est, comme elle aime quand je réussis. Je peux pas avoir un just frame là, please, quoi. Sérieusement. Oh, comme je l'ai rattrapé avant qu'il tombe, lui. Voilà, c'est bon. C'est du just frame comme on les aime. Ça, on va laisser flotter. Voilà, ça c'est bien aussi. Je me suis pas trop pressé en termes d'esquive. Donc c'est bien aussi, c'est pas grave. C'est bien. Ah, il nous reste 23 secondes, on a déjà un qui est buté par... Ça c'est bien ça. Ah, par contre là je pense qu'on va réussir. Non, pourquoi j'ai fait ça? Non, non. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi j'ai perdu deux fois du temps alors que ça m'a fait perdre 5 secondes, j'aurais eu le temps de le terminer. Oh là là. Ils sont tellement durs à caser, c'est just frame de ouf, psychopathe, dingue. Ouais, ok, ça m'en a même pas compté un là.
Ça m'a compté. Mais c'est un peu... c'est improbable quoi. Ça par contre c'est très bien. Voilà. Il se fait couper la tête direct. Bon là on est plutôt pas mal du coup. C'est déjà moins bien par contre. Quoi que l'on se rattrape avec celui-là. Et celui-là aussi pour la peine. Ah pour le coup c'est pas mal. Ah on est bien, on est bien. Voilà, ça c'est parfait. Il va me rester 30 secondes pour terminer les autres. Avec un peu de chance, j'ai... un nouveau moyen de faire un just frame, voilà. Enfin, just guard plutôt, pas just frame, mais bon, c'est un peu tout comme. Oui! Alors, par contre, c'est parfait. On a réussi, les amis. On a réussi. Et youpi, voilà. Oh my god. It seems I know how to pick 'em. How about a little treat for your hard work? 200 et 1000. Ouh, là j'ai gagné pas mal de trucs, on va pouvoir s'augmenter nos barres de trucs, ça va être sympa hein. Et je gagne pas mal de thunes aussi, donc c'est cool. Est-ce que je peux voir pour terminer le dernier défi, mais celui avec les matraques, mais ça va être très dur. On a déjà passé 40 minutes en plus. L'épisode va être tellement long. Now, Mondo, it's time to donate your blood. Hand it over. Vous avez assez d'audace pour tenter le défi de Scarlett. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Défi Scarlett, demande de Scarlett, un duel toi et moi. Les règles, je préfère ne rien dire, c'est gênant. Audace requise, au moins 1000. Quoi ? Il y a un duel entre elle et moi ? What ? I can't contain it anymore. I'm not letting you go home tonight. Quoi ? I'm suddenly very interested in getting to know you. Lol. Cette coquine, quoi. Oh mon dieu. Saint-Valentin représente, là. Les cœurs partout. L'infirmière cochonne. Oh mon dieu. Oh mon... fucking dieu. Ces seins si fermes qui rebondissent. Au moindre de ses pas. Au moindre de ses gestes. Souda, quoi, sérieusement. Fighting's not the only thing you're good at. D'accord. OK, you meuf. More about me? Sorry, but I'm afraid I can't do that. Instead, I'll give you these glasses. C'est quoi ces lunettes? Lunettes œil de chat reçues. Lunettes typiques de Scarlett, elle voit à travers tout. C'est ce qui fait office de lunettes gigolo, je pense. You might be surprised by what you see. Quoi? Appuie sur R2 en mode gigolo pour mettre les lunettes. D'accord. Ok. En fait, ça fait office de mode gigolo, quoi, quelque part. Bon, ben voilà, vous avez le droit à une petite surprise. Oh yeah! Oh. Goodbye, Mondo. Et donc plus on gagnera de points,
Plus on pourra aller voir notre chère Scarlett et débloquer des trucs, sans doute. It's time to donate your blood. It's time to donate your blood, my dear Mundo. Du coup, défi cible 3, tuer 5 ennemis qui portent une masse d'armes. Par contre, celui-là, il est dur. Show me your beautiful dance. Parce que pareil, il nous faut des... Il nous faut des... Ouais, mais c'est que là, vous voyez, je fais des blocs et... Cette coquine, quoi. C'est pas lui que je voulais buter, putain. Le problème, c'est qu'il va me faire chier tout le temps. Il va crever en fait. C'est le problème. Ça m'a l'air vraiment chaud par contre. Hein. J'arrive pas à leur faire des. Ah si, j'arrive à leur faire des headshots. J'arrive à leur faire des putains de headshots en fait. C'est ça la technique. C'est ça la technique pour réussir. Je pense que c'est ça la technique. Il m'en reste un. Non, il y en a un autre qui est mort. Non, c'est bon. Oh non, il y en a un autre qui est mort. Putain, fuck. Ok, j'ai compris. C'est ça la technique. La technique du headshot, mes chers amis. Celle-là, elle passera. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... Je veux pas dire, mais c'est quand même très chaud. Problème, c'est que... Putain, mais tu veux pas crever, bâtard! Aïe 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 aïe! C'est pas croyable. Ouais, du coup, je peux plus rien faire. Je pense que ce défi va être coupé. Ah, vas-y, l'enculé quoi! Ah. Peut-être qu'il faut que j'arrive à les buter avec le drill aussi, il faut que j'essaye. Franchement, je vais rester avec l'arme classique. Aïe aïe aïe, lâche-moi. Ah ça c'est bon. Mais non mais... Ah il fait chier à chaque fois lui. Ah. Voilà, bon ça au moins c'est fait. Puis les deux derniers on va essayer de se les faire... Ah j'ai déjà plus de... Est-ce qu'ils sont sérieux là? Ah. Je sais pas si j'ai attaqué le bon. Non, j'ai pas attaqué le bon, tant pis, il est mort. J'étais tellement bien parti, le truc de tout à l'heure. Tellement dommage que j'ai pas réussi à faire de headshot à la fin.
On a un petit just frame. Enfin, just guard, pardon. Pas de mal. Ah, en fait, je leur fais péter le casque et après seulement je peux les buter, je crois. Seulement après je peux les headshot. Mais non, mais pas tout. C'est assez chaud quand même. On va avoir passé une heure sur ces défis. Ça, c'est bien au moins. J'aurais dû prendre un peu de sang en fait, au lieu de faire le con. Est-ce qu'ils sont sérieux là? Est-ce qu'ils sont sérieux sur le fait que... Voilà, comme ça je les two shot. Le tout pour le tout. Ah, ça passe pas, putain. Oh là, j'étais tellement bien parti. Tellement bien parti au début. Et là, ça va être impossible. Juste parce qu'il me faut trop de sang, quoi. Mais non, mais pourquoi c'est lui... Ah, lui péter la tête. Bim, bim. Est-ce que j'essaie le drill ou pas? Pour les tuer rapidement. Là j'ai suffisamment de sang pour buter les derniers à la mano. Mais non, mais putain, il s'est mis devant moi, cet enculé. Ils sont trop casse-couilles les petits mobs là. Ils sont one shot trop facile. Putain. Ah, j'ai perdu tellement de temps déjà sur lui. C'est pas lui que je vais attaquer. Ça déjà dégage. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse à chaque fois. Je vais dire ça, ce serait tellement plus simple. Voilà, casse-toi.
C'est pas possible. Why must you cause so much trouble? Pilote, il a explosé tout seul. Ouais, je crois que ce défi, je vais laisser tomber. Hein. Il m'a l'air vraiment trop chaud. Regardez, là, je fais des contres, mais ça passe pas. Voilà. Mais tu vas dégager, toi? Ils me font royalement chier, ces petits meubles à la con, quoi. Et voilà. Yes. Oh, tellement bon, quoi. Ah oui, une petite récompense, vas-y. Voilà, c'était un épisode spécial Saint-Valentin, les belles de Mondo. Avec du combat et surtout des boobs. Triple A en plus, j'ai eu. Ouh. Ah, sa mère. Ok, on va pouvoir partir de chez Scarlett. Hein. Je suis à 1 800 000. J'ai l'impression que je peux m'acheter des trucs, du coup. Des niveaux de santé ou des conneries comme ça. Pas mal de trucs à m'acheter, je pense. Notamment, vous voyez ici, bon, des... Alors, un cristal lunaire, c'est pour des... Ça vaut 100 cristaux, mais je préfère m'acheter une gemme de santé, vu comment je galère dans le jeu. Est-ce que ça m'a donné carrément... parce que c'est 100 XP, d'accord? Est-ce que ça m'a vraiment donné un truc de plus? Je sais pas. J'ai tellement de missions à faire et des belles à les draguer. Je draguerai d'autres belles parce qu'aujourd'hui j'ai fait ma part de drague, j'ai envie de dire. Quoique Kaoru, maintenant je pourrais normalement la redraguer. Avec des nouveaux objets. Est-ce que j'ai gagné de nouveaux costumes ou ce genre de trucs? Vivienne, flic de choc. Ouais, j'ai mis qu'en uniforme. Je l'aime pas trop en uniforme, j'ai envie de dire. Vivienne, c'est sympa, mais... Bref, donc on va se relancer dans l'histoire ou dans les d'autres quêtes annexes. Choix de mission. Ah, je devrais aller m'améliorer, pardon. J'ai tellement de trucs, bonsaï, c'est quoi ça? Client Moon River, nouvelle mission. Si, bonsaï. Ah mais non, ça c'est le... C'est un truc que je dois buter, ça. Client Koharu. Nouvelle mission. Cible poupée japonaise maudite. Attendez, quelle est les... Ah non, mais non, c'est ça l'épisode 8, je suis con. Là, en gros, je dois aller tuer des gens. Conduite dangereuse. J'ai pas mal de petites missions, en fait. Amada Yama, QG de Yakuza, ok. Alors, on va voir ce que c'est que cette quête, alors, du coup. Bili 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 bipi. Quel est le truc avec ce bonsaï? Est-ce qu'il faut que je protège le bonsaï?
Éteigne le bonsaï de lumière avant qu'il ne soit trop tard, c'est ça, en gros? J'ai bien compris. Faut que je me grouille ma race dans cette mission. Il va y avoir des ennemis qui vont me faire chier sur le chemin, c'est ça? Il faut juste essayer du coup parce qu'ils sont en train de mettre des trucs sur mon chemin. Ok, donc il y a des ennemis qui vont m'empêcher de passer. Ah putain, je prends cher quoi. Ah mais je voulais esquiver, bordel. Ah, 100 niveaux plus et c'est cool. Alors déjà toi, tu vas crever comme une grosse merde. Ah, j'ai pas réussi à... Ah! On m'a demandé trop de sang. Je suis en train de prendre beaucoup trop cher là. Alors, on va se cacher. Ok, il a pas pris de dommages, c'est magnifique. Voilà, headshot. Ça lui me fera déjà plus chier. Ah, il y en a un autre qui est apparu, quoi. On va prendre un peu le truc pour apprendre des nouvelles compétences. Je suis en train de lui mettre cher, le pauvre, il est stun quoi. Je peux rien faire. Mais. Merde. Please headshot quoi, ce serait pas mal. Voilà, merci. Finally quoi. Ah, attends, il y a un truc pour le drill, là. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Mais non! Comment on fait de nouveau? Voilà, c'est ça. Qui est caché ici. Ah, il y a un raccourci. Je vais pas perdre mon temps à péter les trucs dans cette mission. Voilà, parce qu'il y a encore des ennemis. Ah. Il faut leur passer dans le dos, ça marche plutôt pas mal.
Ah! Ah, ce qu'il m'a mis, le bâtard. J'ai l'impression qu'en esquivant des attaques ennemies, mon katana devient bleu et du coup, je fais beaucoup plus mal. Là, par contre, il faut de la vie, quoi. Yo, d'accord, son attaque, quoi, merci. Please. Ah. Je prends tellement cher, quoi. Ah, mais je peux tellement... Je peux tellement gruger, en fait, ici. J'arrive au Banzai, là, j'espère. Je suis arrivé où là? Ah d'accord, il fallait que je pète le mur, merci quoi. C'est pas encore le Banzai, il y a un ennemi dégueulasse au fond. D'accord, lui il m'a attaqué direct sans que j'ai rien pu faire. La mission a l'air difficile en fait. Ah, yes. Voilà, crève bâtard. Aïe. On va essayer d'éliminer les ennemis les plus chiants au début. Ok, le mec il saute partout. Voilà, ça tu vas crever aussi. Il crève, bâtard. Touche la tête. Vas-y, c'est le Banzai, là, dis-moi c'est le Banzai. Non, il y a un gros boss. Putain, les enculés. Mais non. Non. Trop dur. Faut que je redémarre la mission, hein. Faut vraiment que je me grouille, en fait. Oh là là. On va galérer sur cet épisode, mes chers amis. C'est l'épisode de la galère. Je vais tâcher d'être efficace. Complete your objective before they release the gas. You're on a timer. Go. Ah putain, je suis bloqué quand même. Quelle bande d'enculés. Non, il faut vraiment qu'on gagne du temps là. C'est mode speedrun activé là. Ok, merci, je pensais avoir esquivé, mais en fait non.
Faut rester concentré. Voilà, ça c'est bien. On gagne du temps. Bon, j'ai tenté ma chance avec le flingue, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. C'est bon, on arrive à le prendre par derrière, donc il va pas faire grand chose. Il a réussi à m'enchaîner, mais il crève direct. C'est ça qu'on aime. Et voilà. Là, on est pas mal. D'accord, ça m'a pété la gueule, merci. C'est tellement gratuit, quoi. Oh non, j'ai perdu tous les bonus là-bas. Tellement bâtard. Est-ce que c'est un troll cette salle en fait? Bon, sérieux, je peux pas. Si j'ai pas de sang, je peux pas utiliser le truc. Qu'est-ce que c'est ce bordel? D'accord, c'est ça qu'il fallait que je fasse péter. Putain, j'ai perdu tellement de temps. Oh là là, on n'a pas pu esquiver ça. Allez, prenez donc ça dans vos faces, bande d'enfoiros. Ah! Cette régène qui fait chier. Oh putain, vous êtes sérieux? Oh non, je redémarre la mission, hein, tant pis. Oh là là, non! De toute façon, j'ai perdu énormément de temps à un moment donné là. Par contre, l'intro est super longue, on peut pas la passer. Enfin, je crois qu'on peut pas la passer. Je veux dire, ah mon dieu, mais c'est le fail, là, il arrive pas, il est trop nul, hein. Vous aurez raison, mais le jeu étant difficile, hein, je vous le rappelle. Si haut, c'est pas rigolo, sinon il faut pas de skill pour réussir. Hein. Yeah! Yeah!
Pourquoi je suis mort comme une bouse, quoi? Voilà, ça je savais que t'allais me le faire, enculé. Pour qui vous m'avez pris, mon enfoiros? Voilà, ça va me le payer, bâtard. Cette vieille tentative de me choper dans le dos se paye très cher. Oh bâtard. Voilà. Et un headshot. Et le deuxième arrive tout de suite. Voilà. Tiens, cette fois-ci, je gagne de l'expérience santé au lieu de gagner de la vie. Ah non, c'est du sang après les trucs rouges et... Je sais plus s'il explose ce truc. Ah oui, c'est vrai qu'il explose en fait. Aïe, bâtard. Il a pété le bouclier de son pote, lui. Tiens, bouffe ça. Bon, allez. On va te prendre par derrière, mon salaud. Ah, j'ai pas réussi à... esquiver son dernier coup, mais c'est pas grave. Hop, on va se soigner rapidement. Ce qu'il nous reste, voilà. On perd pas plus de temps que ça parce que il nous reste que 3 minutes et on a encore un paquet d'ennemis à buter, dont un gros boss dégueulasse. Bien sûr, il fallait que je me prenne. Ah putain, il fallait que je reste dans le... Oh putain. C'est très mauvais ça. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah non, pas ça. Lise. Ah, il y a de la santé. Non.
Putain, comment je le tue de nouveau, bordel? J'avais pas assez pour le buter en fait. Vraiment des enculés. Voilà, là maintenant j'ai assez. Voilà, crève, please. Toi maintenant t'es où, espèce d'enfoiros? Tu veux me tirer dessus? Il est caché où? Voilà. Et maintenant le grand méchant, il me reste 1 minute 50 à peu près. Ou 1 minute 20, je sais plus combien. J'ai pas trop fait attention. Vas-y, je suis ton homme, gros sac. J'ai oublié comment les tuer efficacement ceux-là. C'est qui me tire dessus là? Ah là 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 là, non! C'est quoi qui me tire dessus? Mais comment vous voulez que je tue cette merde en 30 secondes? J'arrive même pas à faire du... Oh là là, non. Moi, je crois qu'on va laisser tomber cette mission. Oh là là, dur. Dur, dur, dur. Faut être tellement rapide. Ça, je commence à en voir la limite, là, du mode difficile. Bon, allez, parce que là, on n'a pas que ça à faire. On a encore deux missions encore à côté et... Je vais dans les améliorations en fait, je pense, parce que là, il va m'en falloir en fait. Spin slash, counter smash, parade et contre-attaque puissante avec le bras gauche. Après un just guard. Ok, ça m'a l'air pas dégueulasse ça, mais j'ai pas assez de points en fait. D'accord, j'ai assez de points dans rien du tout, j'en ai pas gagné beaucoup en fait. Ça par contre, ça fait chier. Bon, très bien. Alors on va faire une autre mission. Je vais devoir tuer une poupée japonaise maudite. Je sais pas du tout ce que c'est que cette mission. Ah, mais c'est des trucs pour les belles en fait, c'est une mission que je suis en train de faire là. Parce que j'avais réussi à les draguer une deuxième fois peut-être. Et du coup, elle me donne des missions supplémentaires. Je sais pas trop comment ça se passe. Allumer toutes les lanternes et briser les seaux de la poupée maudite. On dit que Muscleback, votre bras gauche, recèle 99 fonctions cachées. Vous pouvez faire jaillir une flamme du bout d'un doigt comme si c'était un briquet.
Je perds de la vie au fur et à mesure là, c'est quoi ce bordel? Il va falloir que je me régénère en fait au fur et à mesure ou quoi? C'est un peu abusé. Je vais crever là! Comment je fais? C'est quoi ce bordel? Attendez, redémarre la mission là. C'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est trop tôt pour faire ces missions ou c'est quoi le truc? Pourquoi je me fais défoncer aussi vite? Je comprends pas trop là. Ah d'accord, en fait, je regagne ma vie quand j'éteins une truc apparemment. Ça me redonne un peu de vie. Donc en fait, il faut arriver à le faire dans le bon temps. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? OMG, on va laisser tomber ça pour l'instant. J'ai l'impression que c'est pas trop faisable. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je vois pas comment je peux... comment je peux prétendre faire cette mission. Ça m'a des trucs un peu incompréhensibles. On va tenter la conduite dangereuse. Pourquoi celle-là est bloquée? Je peux pas encore faire la suite, d'accord, c'est ça en fait, il y a des niveaux de trucs. Alors Vivienne m'a donné une nouvelle mission. Encombrant sur la route, chaîne de montagnes japonaise. Faut que je pète les encombrants sur la route. Je ne sais plus comment conduire la moto. Par contre... Tuer les Warriors qui sont encore vivants à Kyoto, vu le nombre, écraser la moto. Détruisez 25 Warriors en 4 tours. Ok. Comment on fait pour changer de... Je me souviens plus comment. Attendez, il y a un truc... Comment on fait pour changer de... Je veux juste me mettre à gauche ou quoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je... Comment on fait? Je me souviens plus. Comment on maîtrise la moto? Je me souviens plus comment on maîtrise la moto. Comment je la fais bouger de gauche à droite? Ok, là j'arrive à me bouger un petit peu. Euh...
en buter 25 en 4 tours, ça va être difficile, hein. Je suis pas censé parer les coups, là, en fait. Je crois que je suis censé parer les coups, en fait. Je sais pas comment, mais je suis censé les parer. Bon, ça va être des missions à taffer pour la prochaine fois, je crois, hein, parce que là... Il n'est pas sorti de l'auberge. Non, je l'ai écrasé là, c'est pas possible. Ils m'en ont compté qu'un ? Les enfoiros ? Oh, il y a une caisse qui arrive en plein sur ma gueule, normal. Mais normal, les caisses qui arrivent en... Oh, what? What the fuck? Je me demande si je peux me régénérer ma vie, mais je crois pas. En plus, il faut que j'arrive à tous les tuer, je crois. Pas loin, en tout cas. Parce que les tours vont très très vite. Genre, ils ont considéré que je me suis pris le truc. Il est pas considéré comme mort là, si ? J'ai le droit d'en louper 3, j'ai l'impression en fait. Oh ! Waouh ! On va retenter une dernière fois. Et si j'arrive pas, j'y reviendrai pareil. À côté, quoi. Parce que des missions annexes, elles donnent un peu de trucs, mais bon. Elles filent pas spécialement d'objets ou de nouvelles armes ou des trucs, quoi. C'est vraiment pour gagner un peu de thunes et de l'XP. Pourquoi je me le prends celui-là à chaque fois? Je comprends pas. Il y en a que j'ai pas eu, j'ai l'impression. Oh putain, cette caisse à la con. Oh là, ils ont abusé aussi, quoi. Pourquoi je l'ai pas eu, lui ? Oh, quel con ! J'ai pas bougé. J'ai trompé de bouton. Une dernière fois, mais elle a l'air hardcore, nous aussi, celle-là. Faut connaître le truc par cœur, quoi. Faut être super réactif. J'ai
vais essayer d'utiliser mon arme aussi pour éviter d'en louper des wires au cas où. Ah putain, d'accord, ok. Oh les enculés, j'avais oublié ça. C'est vrai. Mais putain, comment voulez-vous l'éviter? Après les nains que j'ai pas pu avoir. Mais comment je me prends ça? Comment je me prends ça? C'est pas possible. Est-ce que j'en refais quand même une dernière fois? Allez, allez, la dernière des dernières. C'est incroyable, incroyable. Pas me censé me prendre ce genre de trucs. Allez, c'est parti, on retente. On va y arriver. Merde. Il faut que je pense bien à changer tout de suite de voix. Merde. Ah, je comprends pas aussi, voilà, pourquoi je me fais toucher. Ah putain, j'avais oublié ça. Oh là là, là 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 là, ce que j'ai pris. Ok, j'ai compris, les quêtes d'aujourd'hui ne sont pas pour moi. Elles sont légèrement un peu abusées, quoi, sur les bornes. J'ai compris, d'accord, si c'est comme ça que vous le prenez. Alors... Eh bien, on va juste refaire un tour de quelques missions spécifiques, voir si j'ai pas de belles à draguer, encore une fois, avant de passer à l'épisode 8. Le numéro 1 que je peux aller revoir, mais j'ai pas des objets qu'il me faut, je crois. Et puis après les autres belles à Mondo, j'ai plus rien de. Les belles à Mondo 4 que je peux aller revoir aussi. Mais on fera ça plus tard en fait, je pense. C'est pour la dernière arme, mais on en aura pas besoin directement. Et puis j'ai déjà fait pas mal de trucs aujourd'hui. Donc on va entamer l'épisode 8, celle qui joue avec les rêves. Client inconnu, nouvelle mission, nanana. Et voilà, client inconnu, on ne sait rien de notre client, c'est génial. C'est bizarre parce qu'on avait déjà une personne qui joue avec les rêves. Et elle a l'air d'être revenue encore une fois. Mondo. 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 Wake up.
Ok, on a une scène cinématique. Et on se retrouve à nouveau, mais avec des habits différents. À l'endroit où on avait le vieux boss dégueulasse de la dernière fois. Alors pourquoi on se retape celle-là en fait? Quel est ce bordel? Et pourquoi ne sommes-nous pas habillés comme d'habitude? Déjà on n'a plus le bras mécanique. On a un sabre tout à fait différent de ce qu'on avait d'habitude. Tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas. On ne peut rien faire. Ah, si mon chemin se dessine, voilà. Ah, je voulais éviter. Ce découpage de tête en bonne et due forme, dis donc. Ah, on revient dans nos souvenirs. En fait, quand vous faites toucher, vous perdez un nombre de vos combos, j'ai l'impression. Pour tomber à 5, et le but c'est de passer un certain cap pour déclencher certaines choses, tout simplement. Ah. Voilà. Voilà. Là par exemple, je devrais déclencher un truc sympa. Putain, je me suis fait toucher deux fois du coup. J'ai perdu tous mes combos. C'est moche. Je sais pas pourquoi on active un genre de... d'écran noir quand on finit chez les ennemis, c'est assez rigolo. Ok, d'accord, on va revenir un peu dans tous les niveaux qu'on a déjà fait, j'ai l'impression. En fait, on apprend plus sur la fameuse dame qui nous fait faire nos cauchemars. Hein. Alors, jusqu'à combien de combos je vais pouvoir monter d'après vous? Sans me faire toucher. Il a monté à 65. Ah dommage, j'étais bien monté là pourtant. Je pensais passer la barre d'essence, ça aurait été magnifique. J'espère que je loupe pas des trucs en fait. En traversant aussi vite. De toute façon, j'ai pas mon bras mécanique donc je peux pas tirer sur des trucs à distance. Donc je vais pas louper grand chose. Maintenant, il va s'en prendre jusqu'à crever. Et voilà. Et vu que j'ai pas mon bras, je peux pas leur voler leur rame et tout ça, en fait, c'est ça le truc. Sinon, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Où est-ce que j'arrive, là?
Il y a la lune, c'est bien. Un gros caillou dégueulasse. Et puis la suite du chemin par là, en fait. On va revenir à la maison de Mondo. Comment tu veux tes œufs ? Au plat, bien sûr. Pourquoi il a regardé la place qui était à côté de lui ? Comme s'il était devenu seul, en fait. The yolk is a little hard. When you usually do it perfectly, is something the matter? Is there something on your mind? No, I think working for the government suits me. Don't taint my blood? Souiller son sang? I'll get it, Mom. Comment ça? Pourrait souiller leur sang en travaillant pour le gouvernement? Oh shit. Monsieur David, David, tu m'avais manqué, dis donc. Come here, Mondo. We're in the middle of dinner. Please leave. How unfortunate. What the fuck is happening? Le faux plat coupé en deux. Mais surtout la table. Qu'est-ce que c'est que cette scène, quoi? Est-ce qu'ils sont sérieux là? What? Oh! Ah, il faut que j'aille le chercher lui en fait à chaque fois. C'est lui que je tue à chaque fois? Ok, j'ai compris. C'est bien et après? Qu'est-ce qu'il faut que je. C'est quoi ce bordel? Ok. What the fuck is that? David. La scène se rejoue. Je me demande ce qui se passe si jamais je tue les autres que lui. Attendez là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas lui que je dois tuer, je me fais attaquer, mais en fait il faut que j'aille tuer la meuf des rêves en fait. Je pense que c'est ça. Ah non, je vois la suite maintenant. Il va me faire couper mon bras. Pariez ?
Master, please, come with me. Quoi? Une licorne qui m'appelle maître. C'est mon patronus. C'est le patronus de quelqu'un, je ne sais pas de qui. Nous sommes dans Harry Potter, mes chers amis. Qu'est-ce que c'était que cette mission-là? Happening. You, are you all right? Il est en train de perdre tout son sang, quoi. Puis comment il est arrivé ici comme ça? Hey, you. Does it hurt? Ah la salope. On s'en est toujours pas débarrassé en fait de elle. Man. David. Yeah, I'm coming. Ah, c'est donc la fin de cette mission. On a gagné un peu d'argent. On est content et on a fait un épisode d'un peu moins de 2 heures, donc tant mieux. Une totale de super meurtres. Comment on aurait pu faire des super meurtres? Quoi qu'il en soit, on a gagné pas mal de thunes, hein. 600 000, c'est bien. Un nouvel objet est arrivé à la boutique, on va passer rapidement à la boutique. On a pas de nouvelle quête avec l'épisode 9. Pas de nouvelle mission, c'est tant mieux parce que... L'autre avait l'air un petit peu compliqué. Du coup on aura peut-être un épisode bien plus court la semaine prochaine. Enfin je retendrai peut-être quelques missions. Et après on entamera la suite. Alors du coup, je vais juste passer à la boutique, récupérer des objets. On fera les belles de Mondo la prochaine fois, en plus j'ai gagné des macarons donc c'est plutôt pas mal. On aura peut-être de quoi offrir. Il me reste encore pas mal d'argent, mais j'ai pas envie de les utiliser pour l'instant, l'argent, là, pour ces trucs. On va éviter. Ok. Et ben voilà, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'oubliez pas, si vous n'avez pas d'ailleurs vraiment regardé cette série, bah, d'aller voir le début. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une très très bonne série. Un excellent jeu aussi de Souda 51 si vous avez aimé Double Heroes, tout ça. Mais bon, je pense pas que, de toute façon, si vous n'avez pas vu le début, que vous aurez regardé les 2 heures de cet épisode. Quoi qu'il en soit, pour les autres, j'espère que vous êtes contents du retour de cette série. Bah voilà, hein, n'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires pour discuter un petit peu de ce que vous pensez par rapport à cette histoire de David. Comment expliqueriez-vous, en fait, ce qui se passe jusqu'à présent et qui est réellement David, d'où il sort, et pourquoi il a fait ça à Mondo, etc. On ne sait pas trop. Ça se trouve, c'est peut-être complètement faux, complètement inventé, c'est la dame des rêves qui nous invente des faux souvenirs. On n'en sait rien. Enfin bref, merci à tous, et puis donc à la prochaine pour la suite de Killer is Dead, et puis bien sûr d'autres aventures. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.